La masse en matin, et c'est ça la réparation principale du commerce. Chez Ikaven, Bechol Ilour Veilour, Bechol Dibour Vedibour, Chez Oulech ou Medaber, Vishat Amasse en matin, qu'il ait l'intention dans chaque déplacement qu'il fait, ou dans chaque parole qu'il fait dans son travail, Chez Kavanato, Kedeshe Arviar, Kedeshe Iten Tzedaka, que son intention c'est de gagner pour pouvoir donner la Tzedaka. Et ça, c'est la réparation totale des damim, du sang. Alors, on avait vu que les damim, c'est l'argent. Les damim, ça s'appelle damim, c'est le sang, mais c'est l'argent aussi. Maintenant, il y a deux sortes d'argent. Il y a de l'argent qui s'appelle kesef. Kesef, il est blanc. L'argent, c'est un métal blanc. Et damim, c'est rouge. Alors maintenant, quand quelqu'un il rentre dans le Nisayon de la Parnassa, qui c'est un Nisayon qu'on a reçu de la faute d'Adam Arishon. Donc c'est là où on va pouvoir réparer la faute du premier homme. C'est quand on va rentrer dans le Nyan de la Parnassa. C'est là où il y a l'emprise de la morsure du serpent et tout le problème, il se trouve dans la Parnassa. Alors Akadosh Baruch Hu, quand il a dit à Adam Arishon, maintenant tu vas travailler dur pour la Parnassa, c'est-à-dire tu devras travailler, tu vas manger ton père, la sueur de ton front, la sueur de ton nez, la sueur de ton front. Alors ça c'est la conséquence du fait que Adam Arishon, il n'a pas cherché à révéler le Shem Hashem dans le monde. C'est-à-dire lui, ce qu'il a cherché, c'est à essayer de comprendre ce qui se passait, d'aller vers l'intellect, la compréhension des choses. Mais sans, il n'a pas cherché tout de suite à savoir comment on peut révéler le nom d'Hachem dans le monde. Comment on peut aider la révélation du nom d'Hachem. Comme il n'a pas cherché ça, alors la conséquence, c'est qu'il a une parnassa difficile. Après, je vous dis, tu aurais une parnassa difficile. Alors maintenant, nous, on se trouve déjà après ce problème-là. Donc on se trouve dans un monde qui est déjà, depuis après Adam Arishon, il est déjà comme ça. C'est-à-dire il va dans ce sens-là. Dans ce sens quoi ? Que l'homme, il a tendance à aller vers son ego à lui, c'est-à-dire essayer de vivre seul, de ne pas donner, essayer de garder tout pour lui. C'est ça la tendance de l'homme en général. Alors maintenant, Kadosh Baruch Hu, il a fixé un impôt qui est le Maaser. Ça, tout le monde est obligé de le donner, le Maaser. C'est comme la TVA. Quelqu'un ne peut pas garder la TVA, sinon il va aller en prison pour abus de biens sociaux. Il n'a pas le droit, il ne peut pas garder la TVA, il faut qu'il la reverse. Ça, c'est pareil. Quelqu'un qui ne donne pas le Maaser, c'est abus de biens sociaux. Le Maaser, c'est un impôt qu'Hachem a mis dans le monde pour que la société elle fonctionne, qu'il y ait des gens qui puissent vivre avec ce Maaser, des institutions, des gens qui n'ont pas les moyens, qui sont malades, n'importe quoi, qui n'ont plus l'âge de travailler ou qui ont eu des déboires dans leur vie, etc., peuvent profiter de cet impôt-là qui est redistribué. Maintenant, ça, ce n'est pas de la tzedaka. Ça, c'est le Maaser. C'est-à-dire, ce Maaser-là, on n'a pas le choix de le donner ou pas. On est obligé de donner le Maaser. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit dire, bon, je crois que je vais commencer à donner le Maaser. Et la personne, elle croit que quand elle donne le Maaser, elle a fait quelque chose de... Mais c'est comme quelqu'un qui dit, bon, ce mois-ci, je vais payer la TVA. Je vais payer la TVA. C'est-à-dire que je suis large avec l'État, avec la nation. Regardez, moi, je suis un homme généreux. J'ai facturé pour 200 000 de TVA. Ben, je vais la reverser. Qu'est-ce que c'est ? La TVA, elle ne t'appartient pas. Tu l'as rajoutée dans ta facture. C'est pas à toi, la TVA. Maintenant, dans le Maaser, c'est pareil. Hachem, il dit, voilà, je te donne 100. Mais dans ces 100, tu comptes qu'il y a 10 pour moi.
C'est tout, c'est ma commission. Hachem te dit, c'est ma commission, dans ce que tu gagnes, j'ai 10% de commission. Franchement, c'est une tova, c'est une forme de tova qui nous fait pour nous permettre de reverser, c'est-à-dire pour permettre à chacun de donner, c'est une tova. Oui, mais ça ne s'appelle pas donner le maaser. Non, c'est comme une obligation qui est en vérité un cadeau. Quoi. C'est mieux.